Oui, pour avancer. Qui est-ce Gary Conny lié? Non pas c'est Gary Conny, lui fait 26 février 1966, lui gagne 58 ans, lui fait Port-au-Prince, lui marié avec Betty Rousseau, qui c'est petit ancien ministre de Finance Mac Bazin, lui gagne Détimoun, yon rele, c'est Jimelio et Juno Jean-Baptiste, yon rele Soraya Conny, et l'autre là, lui-même, lui rele Gaël Conny, li diplômé dans l'Université d'État d'Haïti et puis dans l'Université Caroline du Nord aux États-Unis. C'est li profession li. Li c'est médecin, mais li passé en bonne poste à l'étranger déjà. Juno Jean-Baptiste, Gary Conny était ministre, alors t'es premier ministre pays d'Haïti sous Michel Joseph Martelly, c'était 5 septembre 2011 au 16 mai 2012. Litou, il était fait 20 jours comme ministre de justice sous Joseph Michel Martelly. Il était remplacé dans poste ça dans période là Josier Pierre-Louis. Nous rappelons dans l'époque où tu as arrêté Anel Belizer, Josier Pierre-Louis, il a pas le forcé le démissionner et c'est Gary Conny qui a pas le géré et intérimaire ministre de la justice là pendant 20 jours, Juno Jean-Baptiste. Justement, et c'est au niveau de parcours professionnel, c'est un parcours qui est admirable, quel que soit côté campé. C'est un très très beau parcours, rien de relatif. C'est un très beau parcours. C'est un haut fonctionnaire Nations Unies pendant le palais à Valissem, parce qu'il a démissionné. C'est chef régional UNICEF pour la région de l'Amérique latine et des Caraïbes. C'est un gros bout tout en fonction dans l'agence de l'ONU, ça, qui c'est UNICEF, qui l'a occupé depuis quelques temps. Donc, c'est un monde qui gagne une certaine expérience, de l'État, capable qui était une expérience éclair et l'expérience à la primature. Nous autres connaissons que, ça a été tourné court et de profilio, pas trop matché. Et Gary Conny et Michel Martelly, et t'es gagné l'autre source de contradiction, de division également entre eux par rapport à, notamment par rapport à Jean que, équipe Michel Martelly a été voulu varier sous l'agent Petro-Caribéen, mais ça va mal finir très vite. Gary Conny t'a pas obligé bail démission parce que, Martelly t'est venu presque pas qu'à gouverner pays avec Gary Conny. C'était un passage éclair, mais tout au moins, lui, qu'on l'État et il y a un conseiller qui dit que dans l'entretien au Valestin, Gary Conny t'a fait montre de yon maîtrise extraordinaire de grands dossiers qui c'est des dossiers urgents en Haïti. Je dis à, et il dit que ça t'a très épaté par rapport à Jean Conny t'a montré une maîtrise malgré nous connaît depuis quelques temps lié en dehors de la République, mais il t'a montré une maîtrise de urgence, les grandes urgences du moment. Nous connaît que la parole d'Haïti dans ce contexte précis et a confronté des défis énormes, et quel que soit monde qui parle monter terrain, et Conny comme chef d'équipe, comme PM qui parle monter terrain, déjà connaît son terrain qui est difficile. C'est pas un long fleuve tranquille, et il y en a pigou bagay Conny gain pour l'apprendre de lui, quoi que c'est expérience Ariel Henry qui te quoi, c'est maître temps, qui te quoi, c'est un maître politique, il c'est pigou roi politique en pays d'Haïti. Il vient là, il simaille sanctions sur le secteur privé, sur le politique. Vous voyez, il fait 32 mois, il a supporté les noix, comment il a route, comment il voit dans les poubelles de l'histoire. Vous pensez ça? Et donc, Gary Conny, je dis à lui-même, nous croyons que lui doit garder sur ça, parce que nous connaissons, toi et moi, que Gary Conny, il est très bien vu par une grande frange, de l'international. Nous connaissons, il était chef cabinet, Bill Clinton, en tête CRH, nous connaissons, il est très proche de la famille Clinton, Bill et Hillary. Donc, c'est un monde au niveau international qui gagne de très grandes relations, de très grandes connexions. Et même si les Clinton ont des expériences malheureuses que ont associées avec eux en Haïti, et notamment dépense l'agent CRH là, mais on espère que Gary Conny pral mette au service des relations, les connexions, les guerres internationales là, pour que les domptes crises politiques que nous avons là. Mais il ne peut pas faire lui-même seulement. Il pourra le faire avec ensemble de monde qui pourra le monter, qui pourra entrer en dans le cabinet ministériel. Pierre Raymond Dumas.
Pierre Raymond Dumas, c'est peut-être le prochain chef cabinet, Gary Conin, Gary Conin, PRD, c'est ça. Gary Conin m'a dit nous, si sous moi d'ordinaire, Radio Omega, qui toujours bien informé, Jean-Ismaël Valestin, Gary Conin trouvait Saint-Domingue, et demain, Lidoué, Port-au-Prince. Vous gardez la parole. M'espérez peut-être arrêter à. Pendant la période. Dès demain. Vous commencez avec lui. Là. Si, sur 7, parce que c'est 7 qui doit voter. Il y a un qui est sauvé. 6 sur 6, c'est 6 qui était là, je veux dire. Maintenant, il y a contrôlé quand même. Oui, 6 sur 7. Et. Qui parle là? Ça qui parle là? Et bah, parle. M'apprend son petit lit qui est malade. Oui, c'est ça. Mais au moins là-bas, il m'a parlé. Oui, c'est ça qui m'a appris. Peut-être les gars font coup politique comme blanc, t'es qui doit essayer de garder. Mais c'est difficile, ça m'a dit, là. L'international, là, t'es qui doit essayer de garder qui est-ce qui vote, qui est-ce qui va voter. Bon, mais, dans le niveau ça. En tout cas, moi, gain. Comme parents, moi, d'accord, c'est parents. Nous toutes là, c'est papa. Nous toutes là, c'est maman. Mais il y a des décisions, faut faire sacrifice pour eux. Et, il y a deux conseils présidentiels que je parle avec eux qui disent ça, que vous dites là. C'est-à-dire que c'est un problème familial. Et, il y a un conseil présidentiel qui dit que vous comprenez ça. C'était un problème familial qui est tombé. Il n'y a pas d'attendre à ça. Donc, je dis à même, si vous êtes malade. Bon, il est obligé de partir pour. En tout cas, quittez le même explication, grand monde nous fait sauver. Mais, quand vous arrivez dans la vie, priorité à deux pays. Ok? Nous avons un pays qui est malade, nous avons un pays qui est plongé. Et parce que, préval des gens bagaille, pour faire politique en Haïti, faut pas gagner tout le monde. Faut pas d'adorer petit, ok? Pas un qu'un monde qui va venir, c'est père de famille, sensible, non. Radio Mi. Et pas un qu'un monde qui va venir, c'est père de famille. On a parlé de un pays qui a toutes difficultés à eux. Joe Biden, président des États-Unis, petit la justice l'a fait campagne. Mais sauf que les font tweet, les 10 petites noix, c'est petit marron. Ok? On n'a pas les pays. Pas qu'un monde, il va demander qu'un monde pour pas sensible à foyer. Il va demander qu'un monde pour pas sensible à foyer. Qui lève votre la fête? Qui l'a ou parti hier? Certainement, sous parti hier, comme si, c'est pour moi, avec tes pas. Oui, les caméras étaient présents, oui. On dégage la distance. Vous te cachez la distance. Je te laisse pas président parce que madame Préval est petite. Parce que madame Préval est caille à l'étranger. Pour moi-même, excuse la bakembe. Ok? Excuse la bakembe. N'a pas temps de discuter famille, non, après. Mais pour moi-même, personnellement, excuse la bakembe. Quel monde capte tout? Quel monde qui a capte tout pendant qu'il va bakembe? Quel monde capte tout? Ismaël, famille, non, lié. La famille est au tissu de toute bagaille. Par exemple, voilà des exemples concrets. Et même si c'est deux champs différents, c'est champ professionnel, mais champ politique. Là, nous avons un champ politique pur. Là, on s'insiste sur un terrain politique qui délétère. Ça me rappelle, c'est exemple Monsieur Football yo, Monsieur Basket yo. Et par exemple récemment là, et pour monde qui suit, cap suivre NBA. Et puis gros championnat basket dans le monde là qui fait aux États-Unis. Rudy Gobert joue playoff, ça nous les matchs éliminatoires. Il était un game de boule à jouer et puis il gagne un imprévu familial. Staff là, staff équipe là, coaching, etc., dirigeant, propriétaire, tout le monde a touché 150 millions par an. Ils sont multimillionnaires qui a payé sac l'argent chaque mois, pas de 44 millions par mois. Nous sommes capitalistes. Propriétaires, Timberwolves, sont multimilliardaires, mon ami. Justement, c'est compliqué un jeu. L'idée qui doit parler. Il aurait pu se poser. L'idée qui doit parler à ce qu'on dit. Non, l'idée qui doit agir. C'est parce que nous connaissons le monde capitaliste, nous même. L'idée qui doit parler. Attention, oui. Il n'y a pas de danger là, moi-même. Dis-le à vous, oui. Dis-le à vous, oui. Mais c'est. L'idée qui doit dire, il n'y a pas de danger là, ou pas de déplacer. Parce qu'on contre un sien. Ouais, comment facile? Oui, mais on est nous, nos pays. On est nos pays. Non, nos pays. Elle dit, avec facilité, on est levé. Là, le petit qui est malade, avec facilité. Mais qui ça a besoin? Laurent pas besoin en dedans. Laurent pas besoin en dedans, CP, puis soin, puis pension, petit, l'hôpital, non? N'a pas parlé de nos pays.
Bref, ok. En tout cas, lui-même l'a arrêté une explication, ça fait il pas là aujourd'hui, mais ça que certain, sur 7 monde qui doit voter, il y a 6 secteurs qui fait choix Gary Conin. Donc, pas bien par l'empile, nous nous entendons pour certainement payer avancer Junot Jean-Baptiste parce que 6 secteurs, pas mal de l'opposition, ils ont entendu, ils ont fait choix Gary Conin. Mais sur cette formalité, c'est juste, on dit, le citoyen Gary Conin est nommé Premier ministre. Et puis après sa installation. L'installation, lui, il va le travailler sous gouvernement. Yeah. Il va le travailler sous gouvernement, oui. Là, mais ça allait avant, bien, il a pas de gouvernement. Il est capable d'installer, oui. Parce que depuis le nom, il faut le faire en fonction. Il faut le faire en fonction. Il n'est pas obligé à attendre. Parce que le monde qui est là, c'est parce qu'il est pour le Premier ministre qui fait l'ILA. Ça fait le PM pour un petit bout de temps. PM, c'est l'objet un intérima. Donc, je pense que si il a été assorti à Souéa, donc, a dit Gary Conin a rentré en Haïti là, tout chef. Tout chef. La rentré en Haïti là, tout chef. Est-ce que ce soit un doux qui est démissionné? Bon, je me suppose la fête. Jeudi à même. Bon, demain. Jeudi à la gon garantie. Parce que le tapetan avant le demi. Mais il va avoir dit, ah, mais c'est une défaut. Nous pas choisi Gary Conin, oui. On comprend? Mais faut arrêter à sortir tout. C'est des qui c'est coquin. Vous gardez la parole. Ben gars, bon. On est quitté premier ministre de notre pays, qui était un bon monde, il rencontré avec lui. Déjà, a dit son intelligent. Son intelligent, il connaît les gens pour le couler. L'aime dit intelligent dans le sens propre là. Il connaît les pour le couler. Donc, vous pensez, ou non, bel job qu'on soit pour aller démissionner, son pas qu'on garantit dans la main. Au moins, il faut qu'on garantit dans la main. Donc, je pense que le pays n'a pas de temps là. Le pays n'a pas de temps. Gardez comment nous avons un consensus bien facile autour des Gary Conin. Malgré qu'il y ait des gens qui deviennent sous table, il y a des gens qui deviennent là, c'est, ils connaissent ces figurants qui ont été. Dans ce cas-là, il y a des gens qui ont été comme premier ministre. Qui étaient capables de placer Gary Conin. Tout à fait, pas gain, et je crois que, on a supposé aller très vite. Et c'est 6 sur 7. Et 6 sur 7, donc je ne sais pas quoi gagner. Jusqu'à cette présente, il y a une contestation interne, il y a des querelles internes qui pourraient entraver bonne marche pour ces sous-là. Sauf que je dis, nous sommes capables de dire qu'il y a 3 bons pas qui franchit. Et dans le cadre de travail, c'est PA pour le faire, pour le. Mais la transition, hein. Nous avons un décret sous fonctionnement à publier, c'est-à-dire aujourd'hui, le Conseil présidentiel a gagné une existence, nous sommes capables de dire, juridique, juridico-légale. Ça que un peu de monde, un peu d'observateur a demandé depuis un mois, et nous-mêmes, dans le micro, ça nous dit ça là, eh bien, l'effet aujourd'hui, le décret a publié, décret qui consacrait le mode fonctionnement et CPA, le publié aujourd'hui, hein, et puis en même temps, CPA, exactement un mois, deux jours après, mon conseil présidentiel, là, fin prend fonction, eh bien, désigné premier ministre, là. C'est vrai, t'es commencé à gagner des grognes au niveau de société, hein, au niveau de la presse également, par rapport à CPA qui t'est bah, l'impression depuis 2 à 3 semaines, comme quoi, on gagne tout le temps devant eux. Or, nous connaît que, y'a pas gagné tout le temps devant eux, y'a pas gagné une éternité devant eux. Faut que t'es agi vite, faut que t'es comprendre urgent ce moment. Maintenant, le choix de Gary Conin est fait. Le temps que je souhaite dire là, et pays à attendre une publication arrêtée à Ismaël dans le journal PIA. Et nous capables de dire, les grandes manœuvres, les grandes tractations pour l'accélérer durant la semaine ça et même pendant le week-end là, même si il y a un conseil présidentiel qui dit qu'on va aller très vite. Gary Conin devrait rentrer au pays incessamment pour que nous montions un gouvernement compétent pour attaquer les grands chantiers consignés dans l'accord qui crée CPA. Radio. Mais c'est clair que passe à franchir, c'est très bien. C'est très bien parce que nous croyons que comme journaliste, mais comme citoyen également, et nous
supposé réussir transition ça. Et les 32 mois d'Ariel Henry, c'était une charge. Et c'était très dur pour la République à tous les points de vue. Gestion macro, pays à gestion pays au niveau micro, c'est un désastre à tous les niveaux. Maintenant, et place à Gary Conéi pour le choisir. Pour choisir des mondes qui sont capables pour monter terrain, même si entre toi et moi, ne nous voilons pas à la face. Ismaël, nous connaissons, ce sont les parties prenantes avec d'autres groupes qui, parce qu'il faut bien ouverture quand même. Ce sont les parties prenantes qui pourraient désigner et la grande majorité des ministres pour venir monter et pour venir entrer dans le cabinet ministériel là, même si nous connaissons que, N'en ai pas, il y a des ministères que, pour pas fausser concurrence électorale qui pourrait gagner en 2025 là, pour pas fausser bataille électorale ça, il y a des ministères qui sont pas capables à laguer dans la main de partis politiques. Sauf que, à partir de demain, les grandes manœuvres, les grandes tractations vont démarrer pour qu'on ait qui est-ce qui pourrait le monter terrain, comment parti pourra le dégager, pour partager le pouvoir, pas parti politique seulement, non, mais également les groupes économiques, secteur privé qui en dedans, CPTA, et m'a gardé là, c'est peut-être une première, à l'issue d'un histoire pays, et Jean-Rodolphe Joisil qui font tweet, qui félicite Gary Conéi pour victoire lui, il dit, et PIA, bonne chance. Moi, Alex, Didier Fizemé, fait également la même chose. Les félicite Gary Conéi, il dit PIA, il dit lui-même, il était un patriote convaincu. C'est un très bon signe que, monde qui était en liste pour une PMU, il a accepté que toute bagaille est bien passée, et sans magouille, on est capable de dire comme ça, peut-être entre guillemets, mais les 6 membres du conseil présidentiel, il choisit par consensus, peut-être que Valessine Tabien Méguéon bientôt, qui expliquait nous, ce qui base, je écarté 4 lotio, qui ça, qui jouait plus pour Gary Conéi, pour ça c'est Gary Conéi, il n'y a pas de Fritz Belizer, pour ça c'est Gary Conéi, il n'y a pas de Joisil, pour ça c'est Gary Conéi, il n'y a pas de consensus, je venais autour de Gary Conéi, et bien ça fait c'est ça. Il était gagné 5 mounes dans la course là, donc c'est autour de Gary Conéi, 6 présidents, je venais un consensus. Mais il y a des critères quand même qui ont été mis sur table là. Non, monsieur Conéi, tu as cité, conseil à votre même gain. Président. Donc ça veut dire quelque part, on a gagné des bagages qui n'étaient pas allés. Nous passons par ici là et nous avons expliqué le tout. Semaine dernière, M. Conéi a gagné quand même une longueur d'avance par rapport à ses concurrents, par rapport à l'autre candidat. Il y a plusieurs raisons qui ont expliqué ça. Une raison, c'est que M. Conéi gagne un très bon carnet d'adresse dans l'international. C'est vrai que la communauté internationale, ou bien le blanc, j'en remets, relève généralement, pas après Alvin dit M. Damio au niveau du conseil présidentiel, mais qui est-ce que choisi comme premier ministre et que si vous n'avez pas choisi, vous n'avez pas privé. Même par les gens, vous n'avez jamais fait ça, même si vous avez un candidat dans la portion. Cependant, il était fort difficile de guerrier de seul. Pour conseil présidentiel, là, t'es choisi un monde qui pas de jouer une bénédiction blanche ou de pas de l'intérêt blanc. Bah, on ne se comprend ni un seul, non? La communauté internationale, avec ses grands orients, gros pays, qui dit aux ses amis, Haïti, t'es qu'on doit pas traîner chaque grain de conseil ou bien parti pour une autre, pour dire, t'as des noms. Mais qui est-ce qu'on met des premiers ministres? T'es qu'on doit pas te faire ça. Même si, t'es qu'on doit avoir un monde, même, t'es qu'on doit souhaiter un monde, même. Par contre, il est fort difficile que, monsieur, t'as choisi un PM qui pas t'ajouter une bénédiction blanc, bien blanc, matavlil, etc. Et ça m'explique l'albadate de jeudi. Hein. Moi, je parle avec des anciens officiels, des anciens dignitaires qui expliquaient, il y a des gens qui ont choisi pour une série de postes, avant même pour choix validé, faut l'ambassade américaine, bah, mobile. Au niveau de la police, il y a des grades dans le plus haut niveau pour une série de monde. Faut l'ambassade américaine ait 10 ans. Un ancien premier ministre Balavel qui dit qu'on le remplaçant au ministre de justice et puis au nom, il y a tant de souliers. Lundi, il y a parlé du chef de la primature, également le président de la République d'alors.
Mais président carrément dit PM là qu'on t'a partagé nous avec ambassadeur pour regarder qui sa position des États-Unis. Yeah. Et c'est après appréciation américaine, mm-hmm. Elle connaît est-ce que citoyen ça capable de bénéficier ou pas. C'est peut-être triste de le dire, mais c'est une vérité. Encore une fois, moi, chaque fois, je me dis, bah, comme haïtien, je ne me sens pas senti mal à l'aise, mais c'est la vérité. Il y a des gens qui ont nommé et ont perdu du job là. Bien sûr, parce que Blanc dit, il parle de forme tête, il va bah, lui reprocher. Il y a des dossiers aussi. Par contre, s'il vous plaît. Donc, moi, penser à ce niveau, M. Kony a gagné quand même une certaine longueur d'avance. Mais deuxièmement, M. Kony a une équipe. Très, 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 très sérieux qui t'a travaillé. Il y a des monadeurs qui là-bas, il y a l'autre qui à Haïti. Et équipe ça, il y a des professionnels très chevronnés, des figures très connues. Donc, c'est le secteur en de pays, en vie nationale là. Quand même, c'est pas que on connaît qui était juste chita sous l'oriel qui dit comme l'y a blanc d'ailleurs, là, simplement un signal blanc. Bah, il conseille là, et puis pour conseiller lui-même, il valide le choix. Information qui vient jouer de moi, données qui vient jouer de moi. Monsieur Goni, il y a une équipe qui est dans tout niveau. Là, vous, sans raison, il y a des secteurs, il y a des groupes qui étaient venus eux-mêmes, c'est Goni lié ton temps. Donc, monsieur Goni a rencontré, pas monsieur Goni en soi, équipe Goni a rencontré moun, chita à moun, pas la moun, léo pas fait en présentiel. Yo fait les. En ligne, par visioconférence, ou bien appel WhatsApp, etc. Même avant le processus là, et ça sont informations très importantes, ma bonne, gagne mon équipe connue, t'as rencontré des parties pour une autre, et connu en soi, t'es parlé avec des acteurs qui sont très impliqués dans la question du conseil présidentiel de la guerre. Donc ça veut dire quand même que t'as un travail qui t'a fait. Par contre, avant vendredi, qui se passe là, avant vendredi, tout sortant de Nabdiou là, pas étonné nous que si CPA était tranché, il était fort possible pour ce pas connu qui était Premier ministre. Notez bien ça me dit, avant vendredi. Si CPA était tranché, il était fort possible pour ne pas connaître le Premier ministre, malgré tout ce que nous avons dit là. Le bon ensemble de bagages, il y a besoin de faire au café, puis bien. Le bon ensemble de désirs, il y a besoin de satisfaire au café, satisfaire, puis bien. Le bon ensemble de projets, il y a besoin de faire au café, puis bien. Bon ensemble de privilèges, il y a perdu, je pense qu'il y a capable de gagner. Parce que, au moins, il y a un à deux bars dans le secteur privé qui n'a pas un problème à un certain moment, vu que tu es pauvre. Moi, il y a qui ont été mettés Didier Fizemé pour le ministre. T'as gagné ça tout. Et c'est ça qui fait, à un certain moment, les gens ont quand même mettre l'équipe Konilan dans une situation d'hésitation. Pourquoi c'est Konilan est pris? Pourquoi n'est-ce pas le bloc Konilan? Pourquoi Konilan a passé? Pourquoi est Konilan lié? Coup de fil à gauche, coup de fil à droite, etc. Hésitation. Mais ça peut changer de données. Et me pense qu'il pral mette balance dans le côté de Gary, c'est la note de l'ambassade des États-Unis en Haïti. Et nous avons essayé d'analyser notre là vendredi matin avec. C'est lundi matin? Lundi matin. Lundi matin avec Zamio, pour nous expliquer. Notre ambassade là, pas innocent. Les ambassades la fait sortir note là, il choisit, multi choisit yo. Nous pas besoin retourner sur yo. Yo gagné on va qui vient joindre yo comme feedback, yo gagné des éléments d'information qui vient joindre yo et puis yo tout lancer pinga. L'autre nèg yo dit ou n'a pas avec impatience pour le ministre et une choix lui fait sous base mérite technique avec impartialité avec impartialité. Et transparence, etc., c'est parce que nous autres, nous t'expliquons ça très bien, l'ambassade des États-Unis ou bien les Américains, ils prennent un centre, bon bagage qui est capable de venir, qui pas forcément ça a été souhaité. Et c'est notre ambassade-là qui est venu quand même mettre
une série de l'autre candidat dans l'inquiétude, notamment deux candidats qui étaient quand même à peu connus très bien placés pour venir diriger transition comme premier ministre. Gagné un conseiller qui vient avec une proposition de débat, mais gagné de l'autre monde qui fait quoi tout guerrier. Cette initiative pour organiser débat entre cinq conseillers ou bien pas conseillers entre cinq candidats ou bien candidats, il était quand même gagné en finalité. Par exemple, le monde qui parle avec très clairement, il dit que c'était pour mettre Kony out. Parce que il était très tranchant, il dit bon, il faut que Kony rentre. Par contre, vous comprenez, il faut que Kony rentre parce que Kony n'est pas carité, l'autre bord, etc. pour ne pas venir sur le terrain pour qu'on se débat du fait. Il était exigé ça même avant, il était tranché. Mais j'aime t'expliquer ça, il y a des pensées qu'on est d'abord levé un bon matin et il démissionne des Nations Unies, il vient là, il n'a aucune garantie. Et ça fait gonzer, mais il dit grande garantie qu'on est devenu négio Bali et que lui-même il baille tout. Donc grande condition pour rentrer là, c'est arrêter à sortir. Arrêter à sortir jeudi, la rentrée demain, ou bien probablement arrêter à sortir dans matin, la rentrée à soir. On me laisse la rentrée tout premier ministre. Même si qu'on est passé guerrier de sol. L'étape passée dans beaucoup plus de douleur. L'étape passée avec beaucoup plus de difficultés. Vous comprenez bien? Avant vendredi matin, avait dit jeudi, mercredi, si vous voulez, si on s'est la tape tranchée sous premier ministre Rabiot qui est arrivé dans la dernière carrière, dernier round, pas étonné que le Tégué doit pas reconnu malgré tout ce que nous avons expliqué là. Et même le tap Garigoni, moi j'aime pas bon mal si, tap gan pile gymnastique, tap gan pile effort. Raison simple, parce que t'es venu gagner deux gros candidats qui au même tout, t'es en pole position, notamment le candidat du secteur privé, M. Alex Didier Fizeme. S'il est vrai que en pile monde cap suivre, déduit ou bien conclu, si il y a un candidat qui est arrivé dans le dernier carré, il y a un guerrier de seul. Qui t'a tombé sous base critère, qui était préétabli, qui t'a prélé Alex Didier Fizeme, eh bien, ce Alex Didier Fizeme, guerrier de seul, est venu au moment guerrier, il était en très bonne position pour le premier ministre. En pile tractation, en pile négociation, il y a des deals qui proposaient, il y a des codes qui étaient proposés, guerrier. Et il y a, on va dire, il y a un dit, et moi, professeur Gérald Germain, j'ai répété l'empile récemment, on boucanait tant de bruit. Avec des gens qui ont une série d'acteurs, de dirigeants politiques, yeux doux. Il y a des gens qui ont mettre une série de conseillers présidents confortables. Et guerrier me parle avec une source qui est généralement bien informée. Qui dit, n'est-ce pas disposé à une enveloppe allant jusqu'à 3 millions de dollars américains pour faire Didier Fizeme passer? Est-ce que vous avez comme ça qui t'es bail? Est-ce que vous avez comme ça qui t'a pris le bail? Comment il t'a pris le bail? Qui est-ce que t'a pris le bail? On ne sait pas. Mais on y a là, il y a un bail qui t'attire l'attention. Oui, ça, M. Fizeme, pas monde qui réunit conditions yo à 100%, ou bien pas meilleur profil là, par rapport à critères de DW, t'es venu arriver non niveau jusqu'à ce que t'es presque mette en pile en dans ROA. Probablement c'est parce que monsieur secteur privé estimé avec Didier Fizeme à la développement national dans le pays d'Haïti, il a fait état de plusieurs travail que t'es fait en dans structure ça, il t'es développé et puis mettait en place un système de soins de santé primaire qui a gagné pour eux à des zones défavorisées dans Pétionville à Kinskov. Et il a travaillé dans l'hôpital Schweitzer, dans Deschapelles, en 1999, comme expert en santé publique. D'après information Yobay, Gary Kony occupait plusieurs postes dans les Nations Unies, notamment en fond des Nations Unies pour la population, comme représentant adjoint
dans le pays d'Haïti, conseiller régional pour Afrique orientale et centrale, conseiller technique principal pour région Afrique là. Et à un certain moment, il était coordonné programme mondial pour sécurité produits de santé reproductive. Après tremblement de terre 12 janvier 2010 là, monsieur Kony était détaché en tant que chef de cabinet bon côté envoyé spécial pour Haïti ancien président des États-Unis Bill Clinton qui lui-même dans époque là t'a co-présidé commission pour reconstruction pays d'Haïti CIRH en 2011 il était nommé monsieur Kony comme coordonnateur résident des Nations Unies et coordonnateur humanitaire dans le pays Niger après ça il t'a pris le Burundi en 2017 et très récemment là un ensemble de pays anglophones dans les Caraïbes là il t'a pris le travail là-dedans toujours comme fonctionnaire aux Nations Unies n'a changé sorti octobre 2011 pour arriver février 2012 Kony était quand même font passage éclair dans plus haut niveau d'administration publique dans l'état comme premier ministre bon côté ancien président Michel Joseph Martelly et n'a songé tout Gary Kony après le démissionner après des tensions qui étaient existées entre lui-même avec des ministres au niveau de l'équipe Michel Martelly des monde qui étaient vlé gros chef en bas administration ça des amis Michel Martelly équipe Michel Martelly t'ai un petit problème avec monsieur Kony. Et Gary souhaite expliquer ça. Nous songer des accords, des ententes qui étaient gagnées autour de enquête qui était l'ouvrir sous nationalité ou ensemble de monde en gouvernement et pourquoi pas le président Michel Joseph Martelly à l'époque. Nous songer Moïse Jean-Charles, sénateur de son état, était quand même venu avec un dossier comme quoi Michel Joseph Martelly était gagné double nationalité et ça t'apprête quand même mettons en tension en gouvernement qui devine fait que bon Jean yoté ouais monsieur Kony qui était rendu un petit peu inconfortable en administration ça et bien depuis après épisode ça en 2011-2012 Gary Kony lui vient servir comme détaché du PNUD bon côté président Liberia madame Hélène Johnson Sirleaf janvier 2014 à septembre 2015 information nous te disposé guerrier Gary Kony t'es clair sur ça dès le départ avec acteur faut que arrêter qui nomme l'a publié avant même les rentrer dans pays là probablement si Gary pas gain temps dans pays là depuis hier soir l'a rentrer jodi et dans le pire des cas l'a rentrer demain si Dieu veut bon selon information qui arrive joindre nous s'il pas gain temps rentrer dans pays là depuis hier soir c'est certain entre jeudi à demain pour ne pas dire week-end là donc Gary quand même a obligé il a dit qu'il doit gagner choix ça tout il a décidé de dire ok dans le processus vote l'a voté contre Kony même certain si on est dégagé mal à voter contre Kony son gros risque il t'a point et nous certains tout n'est ça l'étape gagner contre pour le rendre par contre qui est est-ce que c'est Ablan? Est-ce que c'est américain yo? Pas connait. Mais nous certain que on est guidé prend risque voter contre Kony sous base que le candidat dit apparaît incohérent et indécent. Que le candidat pour la voter l'autre candidat. C'est certain, même si c'est pas ta jodi a, c'est pas ta demain à la venir t'a bien contre pour le rendre. Et c'est pas pour sans raison qui fait en privé dernièrement nous même d'a remettre en question l'absence du représentant du secteur privé. Et dans jour vote là ben dans séance pas vote dans séance et qui t'après le bail Kony par contre c'est sur ça bon bien que information dit dans la graduation etc donc son doit bien pour me remettre en question parce que probablement si négatif très attaché avec le représentant roi au niveau du secteur privé donc river à un dossier ou bien entériner choix Kony là donc il t'a fait son paquet de bagages parce que négatif quand même à un certain moment quoi river canard
Maintenant, avec consensus ça, c'est quand même la classe politique qui campait des choix pour Nilan. Qui a terminé le Sinda avait dit le comme ça. Le pourquoi? Parce que principale force politique qui est dans le pays, il y a tout dans le CP. Donc ça veut dire que ça. Je dis à couvrir le pas, même si c'est ta suppression, même si c'est pas ta suppression. Donc c'est quand même classe politique là qui des choix qu'on là. Ou pas senti que y a trop de problèmes avec Kony. Ou songez les monsieur bloc majoritaire indissoluble te ban nou Edgar Leblanc accompagné de Fritz Belizer comme PM. Comment ça te fait gotolé même dans sein yo gen te monté au créneau même si yo t'a défendre un bagaille qui censé qui c'est forme là mais en plein tout pas trouvé yo dans ingénieur Fritz Belizer. Yo prend question forme là comme prétexte parce que effectivement il te pose problème mais gen yo pas dans Belizer tout quand même parce que yo croit que Belizer là c'était zèle 4 on est d'accord Moïse Jean-Charles et des monde qui pas dans ce coulé ou pas rêver ouais que Moïse Jean-Charles lui-même t'a capable venir gagner et tout pouvoir ça. OK non un moment pareil en dans pays mais avec Gargar qu'on est là m'a bon menti presque tout nèg et salut commandant et m'bral d'on bagarre là dernier oxymab Saint-Fleur même là niveau principal acteur politique dans le pays ou même pas dit CPA parce que gagner de force politique qui très significative donc qui pas dans processus CPA même si on prend d'une façon générale Gary Koné pas manqué en pile non pour faire unanimité on a toujours des jeunes des monde anti minorité juive qui contestait et choix parce que estimé Gary Koné non seulement ces joueurs internationaux là mais tout c'est monde qui était collaboré avec tête calée etc c'est monde qui gagnait des démêlés souvelés au niveau ben non l'autre ou bien non et qui citait dans la question caribé ou caribé dans question etc mais dans l'ensemble au senti toute femme toute nèg gap fait politique en pays même au niveau de la société civile yo pas trop gain problème avec question Gary Koné là. Et yon ti ouais m'a tout petit m'a fait matin gagnen moun un mois deux mois de cela qui était dans Guy Philippe moins ouais y a fait gymnastique pour saluer non seulement la désignation mais également la nomination de Gary Koné au poste de premier ministre même Jean Toul moins ouais m'a pas le citer des noms là pour pas faire des ennemis gratuit moins ouais gagnen moun qui t'a soutenu démarche cassation à tout qui faut filer quoi là non série de groupe qui va dormir dehors qui a salué l'arrivée de Gary Koné à la primature. Les États-Unis d'Amérique saluer désignation moi yo salué nomination Gary Koné yo presque levé deux mains yo deux pieds yo tellement yo content le fait que c'est Gary Koné qui arrivé pour le ministre mais n'a noté et moi Métronome fait exercice ça hier. N'a pas noté que le majorité 4 là était by Edgar Leblanc fils président ensemble avec Fritz Belizer comme PM là. Pas bien aucune réaction vraiment bon côté communauté internationale là, notamment les États-Unis d'Amérique. Sinon OEA qui était quand même font poste sur X qui était nuancé qui était dit oui au saluer des marches pour mettre un nouveau président dans tête CPA. Bon, maintenant, je crois que pour le choix du premier ministre, il faut qu'il y ait qui disent qui date, etc. Mais pour les États-Unis et de l'autre gouttourien dans la communauté internationale, là, il était quand même bouche bée. C'était silence radio, probablement, parce que je ne rejoindre dans ça, probablement. Et bien, si regardez avec l'arrivée de M. Koné, donc sacré pour les Américains, vous mettez deux mains, vous mettez deux pieds en l'air, sacré pour les Américains, boit champagne, boit du vin, donc il n'y a pas manqué en pile. C'est comme si c'était un candidat américain qui était arrivé et non pas important, mais qui était arrivé en portant élection aux États-Unis d'Amérique. Et on pourrait tout le monde tellement, ouais, Blandeyel, et aussi Blandeyel, c'est que il y a une possibilité pour celui même de force qui vient de véritable pouvoir, eh bien, on pourrait des monde qui commence à bailler M. Koné ici, non, hein? PM Gaga. PM Riri, PM Coco, PM Nini. Vous comprenez toute qualité
et si on n'a pas pris une deuxième considération sur le fait, est-ce que son équipe doit dire que comme il senti il n'y a pas de bilan pendant qu'il était premier ministre en 2011-2012, là comme il senti que Guinée doit envie de faire, il n'y a pas de café, il dit bon, conjoncture, ça balle une opportunité, une possibilité pour le montrer de quoi il est capable. Donc, il se propose. Oui. Vous comprenez? Mais l'autre cas, tout, j'aime dire là, vu relation M. Kony avec l'international, vu relation M. Kony avec les États-Unis en particulier, de qui est capable de faire, on est qui capable d'appliquer l'agenda. Bon, jusqu'à présent, pas forcément la vérité, mais c'est des considérations selon nous-mêmes, selon compréhension, pas nous. C'est pas impossible. J'en nous dire, c'est des considérations. Gary Kony appartient au pays, on te dit ça, là, s'il va rentrer hier soir, là, c'est certain, en jeudi à demain, en toute logique, M. Kony a dû atterrir sous sol là. Par exemple, deux vols américains et l'Azao qui fait plus tôt que prévu, ce n'est pas pour faciliter. Non seulement M. Kony a été dans le pays, mais pour te faciliter, il a été récupéré cadavre, messieurs, dames, oui. Qui étaient morts dans l'ison. Il y allait déjà. Ok. En tout cas. Pour la formation du gouvernement, puisque c'est ça qui en a tête là, puisque il te prévoit depuis au fin désiré, choisi et nommé pour le ministre, tout de suite c'est prêt à la formation du nouveau gouvernement, c'est mettre campé nouveau cabinet ministériel là. Et il te prévoit dans le document conseil présidentiel ensemble avec différentes parties pour nature que c'est pour le ministre qui prend de concert avec les conseillers présidents. Le conseil présidentiel de transition travaille pour mettre campé cabinet ministériel là. Mais tu as une inquiétude bon côté équipe Kony là. Et nous t'es passé sous ça, nous pas traité sous lit avant hier, inquiétude là qui s'allie. Équipe Kony la craigne pour monsieur Kony pas venir dans tête un gouvernement que le pas forcément gain contrôle lit. Côté gain des ministres qui est capable de dire tout carrément, yo même yo pas yo pas de compte à rendre à monsieur Kony, yo pas en affaire à monsieur Kony. Même Jean sous Jovenel Moïse guerrier Dieu seul t'es gagné un gouvernement des ministres qui dit yo même pas en affaire à primat tu sais avec palais national yo en affaire. Li plus facile pour te prendre un lord nan men président ou bien nan men yon gros chef qui nan dos président que vous prenez l'ordre dans mes chefs gouvernement dans l'époque là. Donc, il y a des gens dans l'équipe Kony qui te craignent ça tout, ou bien qui craignent ça. Pour qu'on n'y pas rentré là, ils juste viennent joindre un gouvernement qui tout fait, côté tout le monde qui est après, tout ça après, et puis ils simplement venir là, c'est signature, ils la mettent, et puis après ça, pour le publier dans le moniteur, etc. Est-ce son inquiétude qui est quand même fondée qui légitime pour qui ça? Parce que si au chef de gouvernement ou pas gagner contrôle membre gouvernement yo ou pas gagner contrôle en série de ministères d'institutions clés en de gouvernement ou diriger capable arriver une situation présentée ou tant pour un général de centre. Et expérience ça monsieur Kony t'es fait là t'es pour le ministre Mantelia parce que vois pour un ensemble de ministres qui était plus centisé ministre président Mantelia. Il n'y a pas de ministre gouvernement qu'on y a dirigé. Et ça me fait expliquer là tout. Il était plus senti redevable, sauf les bon. Par contre, il m'a bien choisi. Mais c'est comme si il y a plus senti. Si on y a dit, si on y a une explication pour y a plus calme il y a président qui va aller à Kony. Qui vient faire qu'à un certain moment, Kony comme chef de gouvernement, tu es quand même senti inconfortable jusqu'à ce qu'il y ait deux dossiers qui viennent sur la table qui d'après provoquer démission. Monsieur Kony purement et simplement. Donc, il y a des qui craignent pour situation ça par où. Il est Dubaï, Nations Unies. Mais il a démissionné depuis qu'il a décidé de faire poste sous X là pour le dire que mais comment il recevoir choix ou bien désignation comme PM. Non, il a annoncé mais ça le fait et l'Elfine PMU. Donc il était tout quand même démissionné. Un petit point tout petit sur démission monsieur Kony là. Là m'a parlé probablement pour moi mais il est capable valable pour tout guerrier. Dans le contexte ça
nous yé jodi a dans situation n'a vive la jodi a dans pays. Est-ce que ou même guerrier Dieu seul à dernier aussi m'a Saint-Fleur question on va la pour tout sous nos postes important comme ça dans les Nations Unies côté ou bon probablement très bon salaire on prend bon privilège etc. ou tête frais toi impression c'est pas technique qu'a fait etc. est-ce que tu as levé un bon matin et pour venir pour un job politique dans situation là bon c'est une décision personnelle quelque part quand on dit levé un bon matin ça veut dire bon je levé un bon matin dans sens que et ou vin bra job là, ou vin bra job là. Ou vin bra job là. C'est pas vrai. Non mais c'est pas un job sans avantage tout. Yeah. Ouais, ouais, mais le gars des autres contraintes, yo, difficultés, yo, on voit un côté des mondes qui étaient là, vont probablement tes volonté de échouer, etc. Ouais. Moi, je me pose une question personnellement, parce que moi, je fais trois considérations pour on a qui décide de faire ça. Ouais. Alors, capable bien. Parce que il y a avantage, c'est vrai, mais il y a pression tout ce job là. Il y a pression. Et puis il y a qui va la mettre dos sous job là. Il y a monde qui va mettre ba dans cours au job là. Non mais tout gain. Et pas étonné après 6 mois tant de gros manifestations à bas gars reconnu. Oui, non mais à part tout ça, il y a une volonté en tout, l'aime dit volonté, ça dit volonté pour aider. Ça existait. Mm-hmm. Ouais, puisque son vous voulez dire son patriote qui remet pays qui est arrivé et puis qui estimait à un moment donné qu'on coûte mille dollars et puis qui décide de venir. Oui, alors ça c'est une considération. C'est une considération. Oui, c'est une considération puisque nous ne connaissons pas qui ça qui anime. Donc c'est nous tout simplement évoquer selon nous qui ça que tu as expliqué et qu'il quitte poste lié à et pour venir monsieur que lui n'a touché plus scope que ça. OK, mais connait ça va dépendre de qui ça était visé hein comme citoyen comme monde. Pas oublier qu'il était occupé poste déjà. Bon, Jean va être fini. Donc, on a aussi une possibilité pour le rattraper. Oui, pour le rattraper. Et peut-être mettre. Pour le montrer qui ça le café. Qui ça le café. Donc, les cas décident de venir. Voilà. Et si nous avons quatre figures, bien nous avons considération côté les vins font job. Oui. Même nous vins font job, c'est pas dans le sens de faire venir les vins toucher, non? Par exemple, ok, ma vin direct. En considération côté. Comme les États-Unis très impliqués dans la question bail pouvoir prendre pouvoir ici, il doit décider de dire ouais à la personne de Gary Gounet, au monde qui est capable d'appliquer l'agenda et bien. Tout ça pas ça pas impossible tout. Tout ça pas impossible parce que nous pas forcément connaître nous-mêmes. Oui, c'est nous pas connaître. Oui, ça donc soit le même pays a il pense qu'il a capacité, il décide de vivre pour la conjoncture là. Soit comme il était fait 4 mois je dis nous 4 mois, mais le démissionner, c'est pas 4 mois encore, ou 3 mois. Non. Alors, il y a. Tu peux me dire 8 mois, tu peux me dire 4 mois, fond clair. Alors, je ne vais pas songer vraiment, mais. Est-ce qu'il a démissionné, il a liquidé l'affaire pour moi jusqu'à ce qu'il y ait le premier ministre? Pas qu'on est. Fond d'arrêt, retourner ce bazar. Oui, peut-être si il y a quelqu'un qui rappelle, parce que je ne vais pas rappeler. Parce que je me dis 4 mois, je dis 8 mois.